Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 240, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nan continue motivé paran yo concernant la nécessité d'instruire l'enfant selon la Bible, la parole de Dieu. Maman ak papa, tendez bien, l'autre option pa bay résultat bon Dieu ap attann nan men ou lan. Se ou men même bon Dieu responsabilisé. C'est où pour faire travail là. C'est vrai, côté bagala bien organisé, ou capable compter sous support quelques institutions, tant que l'église ou bien l'école, mais mandat pour bay ti moun yo bon gens éducation spirituelle, c'est ou même bon Dieu bay li. Et puis tout, est-ce que j'aime poser bon gens question sous qualité enseignement spirituel que ti moun yo a joindre en dehors de la famille. Tendez bien. L'instruction spirituelle n'est pas bonne simplement à raconter aux enfants des histoires bibliques. C'est vrai, si nous n'avons qu'une histoire création, histoire Joseph, histoire David avec Goliath, histoire Jésus qui t'a ressuscité Lazare et qui t'a dit pas empêcher si nous venons joindre moi. Royaume bon Dieu, c'est pour monde qui semblait avec you. Mais véritable question pour poser tête. Est-ce que votre enfant a reçu une éducation biblique et chrétienne? C'est vrai, si moun remè histoire, et histoire dans la Bible est belle, mais la Bible, la parole de Dieu, mandé pour inculquer à vos enfants la parole de Dieu. Li mandé pour endoctriner ti moun yo dans la parole de Dieu. Li mandé pour enseigner aux enfants la parole de Dieu. Responsabilité a en pile et sou pas accepter perdu petit tout dans toute qualité mouvement et doctrine tête en bas idolâtrie et immoralité qui gen dans monde ça c'est pour endoctriner petit tout avec la Bible enseigner li Jean principe parole bon Dieu mandé là. La foi chrétienne pas campé sous histoire biblique seulement. La foi chrétienne campé sous bon gens enseignement avec un doctrinement qui sortit dans la parole bon Dieu. Mais qui qualité conviction l'apôtre Paul te gagné dans ce qui concernait l'instruction spirituelle de Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15, Paul dit à Timothée, dès ta plus tendre enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. M'a répété encore pour me dire l'instruction biblique aux enfants est un ministère très important. Est-ce que nous capables mander petit nous pour capable obéir à la parole de Dieu s'il pas connait parole ça yo? Est-ce que nous capables espérer un jour petit nous a trouvé chemin salut a si depuis qu'on y a nous pas endoctriné li dans la parole de Dieu? Est-ce que nous capables imaginer que le jeune homme sera capable de rendre pur son sentier s'il pas diriger la vie selon les principes de la parole de Dieu que moun ki gen mandat pour ça endoctriner là-dedans? Non, nos amis moi, n'a toujours dans mon peuple péri parce qu'il lui manque la connaissance. Majorité maman et papa connaît qui toute importance enseignement et instruction gagnent dans la vie petite yo. C'est ça qui fait un pile là-dedans yo, mette petit yo dans l'école qui pote gros nom. Même gens tous amis moins dans domaine spirituel, faut que ti moun nan joine bon gens enseignement qui basé sur la parole de Dieu. La Bible mande pour enseigner petit. Bam dou un petit mot par rapport à l'enseignement spirituel. Enseigner signifie faire connaître, expliquer, montrer, guider, instruire, initier, apprendre. Ce travail ça ou gen pour faire avec le livre des livres en référence dans la vie de votre enfant. Par exemple, les lans Deutéronome chapitre 6 verset 7, la Bible mande pour inculquer les notions de la Bible à vos enfants. Faut poser cette question, qui ça inculquer a vle dit? Inculquer vle dit répéter jusqu'à ce qu'on fait rentrer dans l'esprit de votre enfant ce qu'il doit savoir et pratiquer de manière durable. Les wap endoctriner yon ti moun dans la parole de Dieu, c'est entraîner wap entraîner li jusqu'à ce que li adhérer li à la parole de Dieu ou bien à la sainte doctrine.
maman et papa font y réfléchir, font y évaluation sous qualité obéissance à Proverbe 22, le verset 6. Instruisez votre enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. À bon entendeur, salut. À la prochaine.